Hey yo tout le monde, c'est Setsky, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la 27ème partie du Let's Play de Pokémon Ruby Omega sur Nintendo 3DS. Et là j'ai envie de dire enfin, nous allons pouvoir nous attaquer à la Ligue Pokémon de ON sur Ruby Omega et Saphir Alpha. Wouhou! Eh bien écoutez, ne perdons pas plus de temps, c'est parti. Bon, c'est vrai que j'ai un petit peu retardé, on va dire, cet épisode spécial Ascension de la Route Victoire. Tout simplement parce que pendant plusieurs vidéos d'affilée, je n'ai fait que tourner des vidéos un petit peu, comment dire, des vidéos tuto pour vous montrer comment capturer la plupart des légendaires. Donc bon, je vous ai pas montré comment capturer tous les légendaires parce que bon, pour certains légendaires, c'était à peu près la même chose que pour... la méthode de capture par exemple pour les trois lames de la justice qui sont Viridium et les deux autres, là j'ai oublié, capturer les deux autres était la technique était la même que Viridium, c'est pour ça que je voulais pas montrer. Et c'était pareil pour d'autres légendaires, mais bon, grosso modo je vous ai à peu près montré comment capturer une grosse partie des légendaires du jeu. Donc maintenant que ça c'est fait, je pense qu'on peut passer directement à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la Ligue Pokémon. Oulala, pardon mademoiselle. Donc, bien évidemment, avant de nous attaquer au conseil des 4 de la Ligue Pokémon, il faut passer par la récurrente route victoire, tout simplement. Donc, continuons. Là, je suis parti de Pacificville et je vais vers la droite. Là, je suis sur le chenal 129 et je vais pas tarder normalement à atterrir. Enfin, à amérir là pour le coup, à ma destination. Donc alors par contre je sens que c'est une vidéo qui va durer assez longtemps, parce que la route victoire en général c'est toujours très long. Enfin, je pense que vous devez le savoir. Donc là j'essaie de me repérer un peu grâce à la carte. Et je crois que c'est par là qu'il faut aller. Oulala. Ok, bon j'avais combattu les quelques dresseurs ici et là. Ok, et là on est à Eternara. C'est cool. Ok. Donc là vous pouvez voir une immense chute d'eau. C'est juste énorme. Donc, oulala. Comment est-ce possible? Moi, le producteur, je ne peux pas remonter le cours des cascades. On m'avait dit qu'il était impossible d'utiliser Cascade sans avoir d'abord combattu Marc, le champion d'Atalanopolis. Oh purée, j'ai vraiment du mal avec ce nom. Atalanopolis. Mais je ne l'ai pas encore cru. Je suis bien embêté maintenant. Mais je ne les ai pas cru, je suis bien embêté maintenant. Et ouais, c'est comme ça, c'est la vie. Il fallait y croire ce qu'on t'avait dit. Et bien sur ce, nous allons apprendre... Apprendre... Où est-ce qu'elle est, je l'ai dépassé, ok, d'accord. Super intelligent. Nous allons apprendre Cascade à Red Dragon, ou quoique. Attendez, je viens de penser à un truc. Désolé, un petit contretemps, vite fait. J'en ai pas pour longtemps. Nous allons utiliser Vol à Pacificville. Désolé, je retourne à Pacificville, j'en ai pour 2 minutes. J'ai appris la CS Cascade à mon Waylord. Waylord qui m'a servi à capturer les trois golems. Et vu que, bon, j'ai pas trop envie de remplacer l'une des capacités actuelles de mon Red Dragon, je me dis autant utiliser Waylord tout de suite. Voilà, bon. Je vais enlever Red Dragon le temps juste de passer à Cascade. Après, je le récupérerai. Ok. Ensuite, est-ce que je peux faire Vol à Eternara? On va voir. De toute façon, j'ai même pas encore passé à Cascade, mais... On va voir. Ah bah, je peux pas. Ah bah, c'est bien... C'est bien malheureux. Bon, je serais obligé de me retaper tout le chemin. Bon, c'est pas grave, j'ai des repousses, donc ça devrait aller. Désolé hein, pour le petit contretemps. Donc, repousse, où t'es. Le repousse précédent est actif, d'accord.
Ok, bon, et ben c'est reparti. De toute façon, vu qu'il y a un... ouais, on utilise. Vu qu'il y a un centre Pokémon juste avant la route victoire, je pourrais récupérer mon Red Dragon, donc c'est cool. Donc, bon, ce n'est qu'une petite formalité, là, ça sera vite réglé, hein, cette histoire de Waylord et tout ça. Donc, on refait le chemin. On évite les dresseurs si possible. Chenel 128. On utilise un autre pouce. Ah ouais, par contre, là, je vais bombarder la route victoire de repousse parce que, bon, j'ai pas envie de me taper tous les dresseurs de la route. Il doit y en avoir une bonne quantité en plus. Donc, si possible, je vais essayer de les éviter. Voilà. Allez, c'est parti. Direction la route victoire. Énorme. Énorme. Ok. Eternara, le paradis des fleurs, de la mer et des Pokémon. C'est cool. Donc là, on a un centre Pokémon. C'est magnifique. On va pouvoir récupérer notre... Red Dragon, merci pour ton aide, mon cher petit Waylord, mais malheureusement, tu vas bouger. Voilà. Et sur ce, voilà notre équipe. Léviator, Groudon, Galeking, Latios, Junko et enfin Metalos. L'équipe qui va m'aider à partir à l'ascension de la route victoire, tout simplement. Je vérifie juste un petit truc. Je recule la caméra un tout petit peu. Ouh là là, désolé, là je bouge beaucoup le montage. Ouh là là, ça a l'air d'être bon. Mais bon, il y a l'écran du haut qui est un peu coupé là. Bon, enfin l'écran du haut qui est un peu coupé vers le haut. Bon, je m'excuse. Hein. Faudra faire avec. Ouais, qu'est-ce que vous voulez, hein, avec mes contraintes d'enregistrement, c'est vraiment pas facile. Allez, sur ce, attaquons-nous à la route victoire. C'est parti. Oh my god. Énorme. C'est super beau. Et cette musique. Ok, donc force. Qu'est-ce que c'était que ça? Je ne sais pas. Un dresseur, bon, fallait s'en douter. Les dresseurs, je pense qu'on va en affronter pas mal, hein, malheureusement. Cryptero. Ok, on va faire Machouille, c'est parti. Voilà. C'est cool. Et Rhinastock, on ne change pas. Ah ouais, quand même. On va faire Surf. Bon, niveau 45, ça va, hein, ils sont... Le niveau des Pokémon et dresseurs dans la route victoire sont d'un niveau plutôt abordable. Bon, je pense que je vais pas trop galérer. Hein. Je pense que mes Pokémon sont suffisamment haut niveau. Je vais arriver à m'exprimer correctement. Putain. Donc, sinon, j'ai une route vers le bas, une route vers le haut aussi, qui mène vers une Pokéball. On va vite voir ce qu'elle contient. Un total soin. Intéressant. Un max repousse, ok, c'est cool, ça m'en fera toujours un de plus.
Au passage, je vais garder mon cherche-objet pour, enfin, au cas où il y aurait des objets cachés ici et là. Donc, dresseur suivant. Môme arctique. Ok. Bon, là, ça ira vite, étant donné que Red Dragon a déflagration. Oui, bien sûr. Par contre, si tu loupes ton attaque, là, ça va pas le faire. Merci. Ok. Red Dragon, passe au niveau 61. 61, donnez-moi un 6, donnez-moi un 1. Ok. Donc, continuons. Ok, bon, là la grotte est assez sombre. Où est-ce que je dois aller? Bon, je suppose que je dois aller ici. On va utiliser force là. J'espère que j'aurai pas besoin d'éclat rock parce qu'il me semble qu'il n'y a aucun Pokémon dans mon équipe actuelle qui a éclat rock. Je crois d'ailleurs que je l'avais apprise à Pikachu et malheureusement Pikachu n'est plus dans l'équipe. Comment est-ce que ça se passe par ici? Ça se passe comme ça. PV+. D'accord. C'est cool. Ah mince, j'avais pas vu les rebords ici. Bon, c'est pas grave, on fait le tour. De toute façon, j'ai des repousses, donc OZEF. Tu as de la chance de parvenir jusqu'ici et de la malchance de croiser ma route. Oh, oh, oh. C'est ça, mamie, on verra. Ok. Capoeira. Capoeira. J'aime bien sa petite gestuelle là, un peu comme les danseurs de Capoeira. Hâte. On va faire surf, c'est parti. Sa façon de bouger me rappelle un petit peu Eddie Gordo dans Tekken. Bon, en même temps, Eddie Gordo fait aussi de la capoeira, donc c'est un peu normal. Mais je sais pas, je trouvais ça marrant. Bref. On va pas faire de la pub pour les autres jeux, là. C'est pas le but. Ok, gonflette. Ténacité. Oh là là. Toi, tu vas m'énerver. On encaisse les coups. On va finir avec ma chouille. Voilà. Ok. C'est cool. Mais tricheur! Non, c'est toi qui sais pas combattre, tout simplement. C'est toi qui as des Pokémon complètement minables. Il faut assumer. Ok, donc continuons. Bon, en tout cas, j'espère que cette route victoire n'est pas trop longue. Dans mes souvenirs, celle de la version originale du jeu était assez périlleuse et assez longue. Je crois qu'il m'avait fallu un tout petit peu moins d'une heure pour arriver au bout. Je crois peut-être une cinquantaine de minutes. J'espère que ça va pas me demander autant de temps dans cette vidéo. Ouais, il fallait s'en douter, c'est pas très efficace. Stockage. Bon, on va méga évoluer histoire d'aller un peu plus vite. Et on va faire surf.
Ok. Purée, il résiste encore le misdibule, sérieux? Ah ok, on va en finir rapidement, voilà. Ok, Natsu passe au niveau 61, c'est cool. Donc là, j'ai une route vers le bas. Ok. Là, je m'y attendais pas. Il y a deux Pokémon. Des molosses. Bon, ça ira vite. En tout cas, heureusement que les Pokémon des dresseurs sauvages, je vais dire, ne peuvent pas méga évoluer. Sinon, ça aurait été un peu plus compliqué. Ok, donc des molosses, ça c'est fait. Ensuite, Métallos passe au niveau 68. Déjà? Ah ouais, quand même. 68, eh ben décidément. Décidément. Voilà. Ok, et Iron King passe au niveau 61. C'est cool. Ah, j'ai une échelle vers le bas. On utilise un autre repousse. Bon, j'avais fait un peu le plein hors caméra, histoire de pas être... Ah, combat double. Histoire de pas être en manque de repousse. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre devant? Allez, Iron King et Natsu. C'est parti. Nous formons une équipe invincible. Ouvre bien les yeux, nous allons te le prouver. Un combat? Hihi, mon petit dresseur, mesures-tu les conséquences de tes actes? Mais de toute façon, c'est vous qui allez prendre la raclée, donc bon. Ok. Armaldo et Vasilis, je crois qu'il s'appelle, j'ai oublié. C'est Armaldo et Vasilis, ouais, c'est ça. Toujours la méga évolution, enfin la primo résurgence plutôt, qui fait plaisir. Terre finale, comme d'hab. Donc, qu'allons-nous faire? Je vais faire méga évoluer mon Iron King. Et on va faire éboulement. Voilà, histoire de ne pas toucher Natsu. Parce que si j'avais fait séisme, ça aurait touché Natsu également. Et on va faire lance-soleil sur Armaldo. C'est parti. Voilà, il est bien mastoc, hein, comme ça. Hein, le Iron King. Ok. Ok. Il a la trouille. Et ben profitons-en. On va utiliser que de fer. Voilà. Et lame pangéenne. Non. Allez su, allez su. Voilà. Ok. C'est cool. Ok, donc on va faire des petits changements stratégiques. On va mettre, on va remettre Red Dragon en premier. Voilà. Et sinon là, je peux utiliser Surf. J'espère que j'aurai pas besoin d'utiliser Cascade parce que sinon je suis un peu dans la mouise, clairement. Caraclé.
Ok. Donc, méga évolution et déflagration. C'est parti. Ténacité. De toute façon, je pense pas pouvoir le tuer en un seul coup, donc bon. Voilà, qu'est-ce que je disais. Mais là, par contre, je vais bien te faire griller. Voilà. Ok. Donc, là, je peux utiliser force. Ah, il faut que je fasse encore monter la pierre. Et après, je la mets sur le côté comme ça. Ok, et je peux récupérer cette Pokéball qui contient lance-flamme. Et ben, c'est cool. Mais c'est très intéressant, ça. Ok. Un autre dresseur. D'ailleurs, j'ai désactivé, enfin, j'ai pas pensé à réactiver mon cherche-objet. Je vais le faire juste après ce combat. Électrode. Ouais, là, par contre, ça me fout un peu mal. Bon, on va encore méga évoluer. Et on va faire mâchouille. C'est parti. Ok. Coup de jus. Aïe, aïe, aïe. Ça va, ça passe. Allez, tue-le. Tue-le. Ouais, c'est bien. Donc, électrode, c'est fait. Et Red Dragon passe au niveau 62. Si ça, c'est pas magnifique. Et Junkie passe au niveau 64. C'est cool. Darumacho. On ne change pas. Pokémon de type feu, il me semble. Donc, surf, voilà. Ok. C'est cool. Lentis passe au niveau 62. Avale tout, on ne change toujours pas. Est-ce que si je fais mâchouille, ça va faire pas mal de dégâts, on va voir. Non, c'est dégâts normal. Ok. On va finir avec surf. Ok. C'est cool. Ok. Donc déjà, dans un premier temps, je vais réactiver le cherche-objet. Et ensuite, je vais soigner un petit peu mon Red Dragon qui a bien subi, le pauvre. On va lui donner une super potion, voire même plusieurs super potions. Voilà, ça devrait aller. Et sinon, ah, j'ai pas vu la Pokéball. Guérison. Ah bah c'est cool. C'est cool. C'est même bien bien cool. Ok, donc là je crois que c'est un mec qui maîtrise les Pokémon Dragon. Hakim le Dracologue, ouais. Hipporoi. Donc méga évolution et mâchouille. C'est parti. Ok. C'est cool.
Ah, là, j'ai encore une étendue d'eau par ici. Là, j'ai une échelle. Bon, on va pas remonter tout de suite. On va d'abord visiter un peu ce qu'il y a de l'autre côté de cette étendue d'eau. Oh, purée. Si vous avez vu, il y avait une chute d'eau à... What? Tiens. Ça m'a ramené ici. D'accord. Ok, bon, ça a servi un peu à rien. Donc, en gros, il faut monter l'échelle. Ah, j'espère que j'aurai pas besoin de casquette, parce que sinon, là, je suis vraiment mal. Ok. Donc, un autre combat double. Niveau Pokémon, comment ça va se passer? On va mettre encore Iron King et Natsu devant, voilà. Parce que ce sont les deux plus faibles de l'équipe actuellement. Ok, c'est parti. Et ils envoient un Mushana et un Colossinge, d'accord. Drôle d'équipe, enfin bon bref. On va pas dire que la mienne est forcément... est forcément plus normal. Hein. Ok. Donc, on va méga évoluer et on va faire éboulement pour Iron King et lame pangéenne pour Natsu. C'est parti. Ok, donc Colossinge et KO, c'est cool. Ok, et au tour de Mushana de mourir. Enfin, mourir, c'est un bien grand mot, voyons. Nous n'allons pas commettre de meurtre dans Pokémon quand même. Ok. Donc je relance la capture qui va bientôt s'arrêter. Ok, c'est bon. Donc, reprenons. Ah, je sais pas ce que c'était. Je crois que c'était un Teddy Ursa, mais j'en suis vraiment pas sûr. Ah, je suis à l'extérieur. Est-ce que ça veut dire que je suis arrivé? Donc là, on peut utiliser cascade, mais bon. Mon Wailord est dans le PC. On va éventuellement voir ce que ça cache après. Ah. J'aime bien cette ambiance. Mais qui voilà? Hé, hey, cette Sky! Tu ne t'attendais pas à me voir ici, pas vrai? Merci d'avoir tenu ta parole la dernière fois. C'est grâce à toi, cette Sky, que j'ai pu aller si loin. Si tu ne m'avais pas battu, je ne serais pas devenu plus fort. Je suis sûr que tes Pokémon et toi avaient traversé de nombreuses épreuves jusqu'à maintenant. Un coup d'œil suffit pour voir que vous avez bien progressé. Mais cette fois, je ne perdrai pas avec la petite musique épique et tout. Je kiffe. Je dois gagner pour remercier mes Pokémon de m'avoir donné du courage et de la force. En garde! Énorme la musique. Timmy le dresseur veut se battre. Ok. Altaria. Avec un beau décor. Ok, donc on va utiliser éboulement. C'est parti. Donc déjà un KO. Roselia. On va envoyer Red Dragon. C'est parti.
Ah, franchement, je kiffe cette musique. Hein. Je kiffe cette musique. Elle est juste énorme. Déflagration. Voilà. Natsu passe au niveau 62. C'est cool. Magnéton. On ne change pas. Ah, la fermeté. Mince. Lumino-canon. Ok. On va faire mâchouille. Ok. Aaron King passe au niveau 62. C'est cool. Delcati. Qui est-ce qu'on va mettre pour Delcati? Lantis. Voilà, c'est parti. Ok, on va faire Draco Météor. Et ouais, nous on envoie du lourd. Il voulait un combat sérieux, ben je lui donne ce qu'il voulait. Hein. Voilà. Et le dernier, Metallos passe au niveau 69, c'est cool. Galam. On change. On met Junko. C'est parti. Ok, et on va faire Exploforce, voilà. Ah oui, méga évolution, carrément. Ok, c'est cool, ça va rajouter un peu de piment au combat. Oh, cette tension, les gens. Ok, d'accord. Ok, tu veux y aller à coup de méga évolution? Parfait, je vais te donner ce que tu veux. Mega Junko. The Battle of the Century. Mega Junko versus Mega Galam. Qui va remporter le combat? Eh ben c'est moi. Ok. Et j'ai battu Timmy le dresseur. On a perdu. Zut de zut. Merci de ne pas m'avoir pris en pitié. Et merci de m'avoir offert un vrai combat. Merci à toi et à ton équipe. Et merci à toi, Galam. Et à tous mes Pokémon. Grâce à vous, j'ai encore progressé. Ah, j'oubliais. Prends ceci. C'est en souvenir de ton combat contre moi et mon équipe. Surtout Galam. Pierre Aube. D'accord. Si jamais tu possèdes un Kirlia mal dans ton équipe, donne-lui cette pierre aube. Aujourd'hui, je n'ai pas encore réussi à te battre. Mais un jour, je vais m'entraîner dur jusqu'à notre prochaine bataille. Promets-moi que tu m'affronteras à nouveau. Promets-le-moi. Pas de soucis, mon petit Timmy. C'est quand tu veux. Eh ben, les gens, sur ce, nous y sommes. La Ligue Pokémon. C'est parti, entrons. Din 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 din
Oh, cette musique, les gens. Les souvenirs qui remontent. La nostalgie, la nostalgie. On y est, on a atteint notre objectif principal, la Ligue Pokémon. Entrée de la Ligue Pokémon, porte centrale. C'est énorme. C'est énorme, les gens. Oh purée, cette longue allée. Ah, il y a une méga gemme à côté, si vous voyez. Ah, mais c'est énorme. C'est énorme. On va vite fait voir ce que cache cette méga gemme. Une Mew Wootit Y. Donc, gemme permettant de faire méga évoluer Mewtwo. Ah, j'ai dit à l'américaine sans le vouloir. Et bien sûr, ce les gens, c'est là-dessus que nous allons nous arrêter. Je suis aux 36 minutes de vidéo. Bon, ça va, hein, cette route victoire n'était pas trop longue. Bon, faut dire aussi que j'ai bombardé la grotte de Max Repousse. Mais bon, en même temps, là, franchement, j'avais pas la motivation d'affronter tous les Pokémon sauvages que j'allais rencontrer. Et surtout, je suis même pas sûr d'avoir exploré la grotte victoire, enfin, la route victoire plutôt entièrement. Mais bon. Éventuellement, peut-être que dans une vidéo bonus après la Ligue Pokémon, je continuerai de l'explorer un peu plus en profondeur. Mais pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est la Ligue Pokémon, le Conseil des 4 et tout ce qui va avec. Et ouais les gens, ça marque la quasi-fin de l'aventure. C'est un peu triste, mais bon, en même temps, je suis bien content de quasiment avoir fini au moins un Let's Play de Pokémon sur tous ceux que j'ai démarrés. Parce que, encore une fois, je le rappelle, je n'ai terminé aucun let's play de Pokémon que j'ai entamé jusqu'à présent. Et peut-être que Pokémon Ruby Omega sera le premier. Voilà. Sur ce, c'était SetSky pour la 27e partie du let's play de Pokémon Ruby Omega sur Nintendo 3DS. J'espère que ça vous a plu. Et la prochaine fois, on s'attaque à du gros, à du très gros, du très lourd, du très gros morceau, la Ligue Pokémon de Hoenn. Soyez au rendez-vous. Et bah, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut à toutes et à tous!